Aucune augmente qui me donne des gold. Par contre, j'ai l'augmente qui me donne de la vie à chaque fois que j'use une habilité. Ça pourra réparer le coût en vie de mes habilités déjà. Donc je pourrais acheter Coucou Nonio. Coucou Idir. Merci pour le follow, I am 23, bam! Tu as le droit d'acheter le truc qui augmente tes stats quand même. Oui, c'est une stat. C'est pas un item. Tu peux acheter tout sauf des items. Bonsoir, visage bisous. Ok, on est déjà contre Jax Yi. C'est un peu le cauchemar. En plus, je loupe mon E. Attends, attends. L'auto-cue de Zac ne passe plus sur Jax. J'étais persuadé qu'avant ça le faisait quand même bum. Bref, il faut gagner la première manche, c'est important. Ils sont pas très puissants ce timing là. Ouh, on est en train de les, on est en train de les manger. Ok, il s'est reset d'auto. Il vient de battre en 1v1, il n'y a pas de souci. Tu sais que tu vas te faire terminer. Je suis pas n'importe quel Zac. Tu prends le portail face à moi, c'est ça que tu fais. Voilà, ça c'est un horn. Qui horn? Pas vrai? Oh là là, ça suffit. Y player, tu dégages. Merci IAM23 BAM. Merci BAM peut-être, plutôt. Merci BAM. Ok, on max le E. On va prendre des stats. On commence déjà avec bien de la merde. Je vais prendre Attack Speed et Ability Ace parce qu'il y a l'Ability Ace. Et que j'ai pas trop envie de reroll. Enfin, en soi, je peux. Ça me sert qu'à ça. Ah si, ça me sert aux augmentes aussi. Je peux utiliser mes rerolls que pour les augmentes, c'est bien ça. J'ai pas besoin de me prendre la tête avec les items. Mais attention, t'as oublié tes items. Fois, 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 fois. Alistar Yumi. Ouais. Est-ce qu'il va réussir à me stopper? Même pas. T'as que ça à faire, hein, me stopper, Alistar. Littéralement ton seul gameplay là. Potentiel. Hop, on cogne la plante, on l'empêche de prendre. J'ai du mal à... On a de la chance hein, parce que... Parce que c'est du... Il y a beaucoup de points d'arène dans cette game. Et on est tombé avec des gens qui jouent nul. Qui jouent des trucs nuls. Donc on est bien. On est bien de ouf. Enfin après on est tombé contre Jax... Jaxi quand même. Il est resté tellement longtemps dans la zone, what the fuck. Moi je m'en fous, je peux rester dans la zone, hein, j'ai mon passif. Et tu es hors de ma vue. Voilà, petite Yumi de merde. Tu es finito, moi j'ai un passif. Même pas besoin de toute façon. Je peux prendre ce que je veux, de toute façon je le vends. On va directement prendre des stats. Pour l'instant ça se passe à merveille. On a 100 HP. Je vais quand même prendre la péné magique parce que c'est excellent, 19 de péné. 27 d'ability. Hey, je prends à chaque fois les meilleurs tirages possibles. Là, ça me donne autant d'ability ace, mais avec de l'attack speed en plus. Et je prends toujours les deux random stats bonus. Parce que c'est toujours mieux. Je crois que j'ai beaucoup, beaucoup d'attack speed. Beaucoup, beaucoup d'ability ace. C'est déjà pas mal, en vrai. Et j'ai 16 de létalité aussi, pour ceux qui se demandent. C'est le j'ai pas envie, Katinova, c'est le concept. On me propose des trucs horribles. J'en prends un et je le fais. Et là, c'est de gagner sans item en arena. Oh, oh! Oh, ça, oh, c'est très bien ça!
Oh, c'est très bien, si on gagne cette manche, c'est excellent. Mais on fait pas que gagner, on les défonce. C'est ça le vrai mot. C'est ça le maître mot de l'histoire. J'ai récupéré mon ult. Je le laisse même pas réanimer son Veigar. Et de toute façon, tu vas le réanimer, mais pourquoi faire? J'ai envie de te dire, pourquoi faire? Reste là. Voilà, vous aurez même pas 250 gold sur une de nos morts. Avec l'augmente enclume. C'est le but. De l'obtenir. Avec un bon tirage de préférence. Là, on est tellement en train de gagner leur lit que je vais pouvoir même choisir mon tirage d'une certaine façon. Est-ce que quelqu'un sait si quand tu ne prends pas, ça va réapparaître? Attends, Alistair Yumi vient de le gagner. J'ai plein de gold. Attends, Alistair Yumi. Bizarre. Normalement, ça respawn. Ok. Alors. Ah oui, 38 de Magic Resist, par contre, je prends. 282 vies, c'est le meilleur tirage. 23 d'armure, j'en ai besoin quand même. 32 d'AP parce qu'il m'en faut. Et voilà. On en a déjà 9. Et on a 100 HP. On fait partie du cercle restreint des 100 HP. Normalement, ça respawn car c'est une augmente comme une autre sur le papier. Ouais. Vu comme ça, ouais. En vrai, si t'as l'augmente spat, ça compte pas comme un item en soi, non? Si, si, c'est un item. Mon Poppy, elle me counter. Donc ça peut être dangereux. Ah là, je sens que... On est sur un manquement de dégâts. Je manque de quelque chose, là. Face à eux. Mais c'est pas grave, on va quand même se battre. Hop, hop, hop. Let's go, j'ai réussi à avoir les deux heals. Voilà, je suis en train de jouer vraiment très bien. Ok, mission 1v2. Sans item. Je peux encore heal mon friend. Non, je peux pas. Ça utilise des gargouilles et tout. Wouh! Attendez, attendez. J'ai besoin de concentration. Laissez-moi me concentrer. Je crois que j'ai gagné. 1v2 sans item. Effectué. Mais c'est gagné, hein. Vous dites ça de putain, c'est gagné là. Oh, immobiliser me rend de la vie. J'ai tout ce qu'il faut pour avoir de la vie à l'infini. Sad pour Poppy. À quel moment c'est sad pour Poppy? Son champion me counter. Son champion est dégueulasse en arena. Il a oui, c'est pareil. Et juste pour lui dire qu'on peut être sad si jamais je le bats. Parce qu'il il m'a reconnu, il est sympa. Du coup, vu qu'il m'a reconnu. Passif 10, diff, bah elle a un passif aussi. Ouais, 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 ouais. C'est la manche aux HP. Nous on en a pas besoin, on n'a pas encore perdu. Pour moi, ça peut être vraiment la bonne game, là. On a tellement de marge. Marge! Là, c'est mort de Kaiser Kha'Zix, par contre. Donc, bon, je vais R. Comme ça, derrière, je vais rechercher les prochains heals. J'en ai rien à foutre, Kha'Zix. J'en ai rien à foutre. T'entends? J'en ai rien à foutre. De ton passif, là, qui te fait faire du mal aux gens. Ah, j'en ai quelque chose à foutre, finalement. Ok. C'est notre première lose. Elle fait mal au cœur, mais il faut la vivre. Ça me semble légèrement impossible sans item. Ça va le faire. Pas de soucis, Dalzo.
Mauvaise nouvelle, on peut pas plaire à tout le monde. Bonne nouvelle, j'en ai rien à foutre. Pas encore l'enclume Prisma, peut-être qu'on va l'avoir maintenant. C'est parti. 32 d'armure. 27 de CDR. 36%. Est-ce que je tente le diable et je le prends pas? Ou est-ce que je le prends quand même? Je le prends pas. J'espère que ça peut repop. J'ai utilisé mes rerolls. 78%, let's go! Let's go! Le portage de couilles a été effectué, étant donné qu'on ne peut avoir ces stats, on peut les avoir qu'une seule fois. L'augmentation de stats, on peut l'avoir qu'une fois. Donc là, maintenant, regardez-moi ça. Là, je suis paré. Je suis pas puissant de fou. Pour ton challenge. Visage bisou. Visage merci bisou. De me couper, vraiment. Visage bisou. Je suis pas super puissant non plus, mais au moins j'ai quelque chose. Ok, il y avait une hache invisible qui se prend pour je sais pas qui. La conne à la plante. Voilà. Voilà. Regardez le taux de CDR que j'ai. Et le pire, c'est que maintenant, ça va s'améliorer de plus en plus, parce que plus je vais acheter de stats maintenant, plus je vais en avoir, mais de manière vraiment rectangulaire. Ça veut rien dire de manière rectangulaire. J'ai quand même 29 de létalité au cas où. Au cas où j'en aurais besoin. J'ai 1% de ténacité. Merci visage bisou pour le sub offert à Katinova. Merci monsieur. Ok, là ce que je prends, on peut dire que je reçois 78% de plus. Je pense que le mieux à avoir là, c'est de la vie. Quoique, je suis contre Udyr et... Ah lui, il joue full AD. Et lui, bien sûr, full AP. Je pense que de la vie, c'est le mieux. Et j'en reprends encore. En vrai, l'attaque speed, ça me fait rire. Mais ça, c'est mieux. Attaque speed plus ability ace. On va prendre. Bientôt 200 d'ability ace sans item. En légende. Là, il faut que je charbonne l'AP, là, par contre. J'ai besoin d'AP. Vivement le prochain round gold. Pour t'avoir coupé. T'inquiète. C'est pas très grave. Ouais, viens là. Viens là, Udyr. Ne viens pas, finalement. Ok, c'est un Udyr one shot, mais si on le tue, il ne one shotera personne. Regardez mes augmentes. Ça m'a rendu 7200 d'HP en tout. Et ça, 5400. Ça, c'est vraiment pour nice. On est bien, on peut le faire. On peut le faire ce top 1. Sans item. Alors bien sûr, Zach, c'est pas la version optimisée pour le faire. Il faudrait faire Pike Horn ou TF Horn ou à la rigueur Gangplank Horn, mais ça c'est pas fou. Des persos qui génèrent des golds. Pour que ça aille beaucoup plus vite et que tu puisses avoir encore plus de stats. Merci pour le follow, Bastos. Le truc, c'est que moi, j'aime trop... Je suis le plus fort sur Zach. Donc, ça aura l'impression d'être beaucoup plus fort. Ouh! Je peux avoir un petit slow cook, hein? Ou alors laser eye. Non, slow cook. On va slow cook. Tu as combien de PV avec les enclumes? 947. C'est pas énormissime, mais c'est déjà ça. Ok, Jax... Jax Maitreuil, ça va être compliqué, là. Mais bon, Jax, c'est un item de merde. Il a deux ults, ça sert à rien. Blade Wall sur Yi, ça va. Le truc, c'est qu'il découpe les temps. En vrai, ils ont pas des items de fou, hein. Je pense que ça peut le faire. Ah ouais, ça fait exprès de rester statique. Ok, je suis là.
Oh putain, comment on les cook. C'est bien de bouger partout, maître Yi. Mais tu ne t'en sortiras pas. Mais même mon horn, il fait salement mal. Il a proc son item tellement vite. Son cooker 700 en 7 manches courtes, c'est cool. C'est magnifique. On peut la drop deux fois l'enclume Prisma. Je l'ai beaucoup testé, je l'ai jamais drop, donc je pense que non. C'est trop fort ou ils sont trop nuls? Techniquement, ils sont pas trop nuls. C'est juste que là, je joue Zac. Vous m'avez jamais vu jouer Zac en arena. Et c'est le champion que je maîtrise le mieux dans le jeu. Mais c'est du 5000 points d'arène, là. Ou peut-être du 3000 avec Pomme qui rééquilibre le tout. Ah si, je suis bien naze avec mon Udyr. Mais non. Ok, les stats random. Ça m'a donné de la MR. Encore des stats random. Ça m'a donné de la paix. Oh putain. Encore des stats. On joue pas cette manche en plus. 31 d'AD, d'armure. 37 d'AP. On n'aura jamais été aussi rentable que dans cette session, de statistiques. Perso, je suis sur mon main, donc c'est donc normal qu'on gagne. Dis bien. Ah franchement, j'ai bien fait de pas prendre les 28% qu'il y avait eu, ou je sais pas quoi. C'était de l'arnaque, on s'est pas fait avoir par cette arnaque. Et là, regardez à quel point je suis staté. J'ai 75 de létalité, y a rien de mieux. 2.12 de vitesse d'attaque. Hein. 197 de CDR. Il est où notre poteau Udyr? Il est éliminé? Ah, il était là. Merde, il est éliminé. Force. Prochain, j'ai pas envie. Top, un Reyna sans item avec Brom, qu'est-ce que t'en penses? Un peu la flemme. Là, je vois pas qui pourrait nous battre. Hein. Si je ne fais pas un AVC ou quoi que ce soit. Il a oui. Ok. Je pense que je vais prendre la magic pen. Et là, clairement, je vais faire très très mal. Hein. Va falloir être prêt. Ok. ADIAP. Je vais faire vraiment très mal. En plus, c'est la manche au gold, donc après, on va encore être plus big. Oh là là. L'augmente, c'était 78, ouais. Ok, Veigar Riven, j'ai assez de MR pour Veigar, j'ai assez d'armure pour Riven. Faut juste que j'ai la vision sur Veigar. Et ça part. Le problème, c'est que c'est des poussies. Coucou. Ouf. Adios Veigaritos. Bah alors les joueurs de Veigar. En arena, que se passe-t-il? On manque de soupe? Finito. J'ai même pas le temps de tester vraiment mon attaque speed. C'est relativement drôle d'avoir deux d'attaque speed sur Zac. Hush. Petite chose à savoir, les items gratuits, tu peux les garder si tu veux l'enclume prismatique. Oui, c'est comme ça que je fais habituellement. Le truc, c'est que là, j'ai le droit à aucun item, donc je l'ai directement vendu. T'es le slime que tu penses être. Ok, on a 2800 gold pour s'amuser, là. Ouh, 39 d'AP. 41 d'AP. 31 d'armure. Et... Oh... Allez, 224 de vie. C'est pas encore la dernière manche. Je suis content, on va pouvoir s'amuser encore un peu. Je vois pas ce qu'ils peuvent faire, hein, honnêtement. Je vois pas ce qu'ils peuvent faire. Dites-vous que j'ai 406 d'armure sans aucun item. 257 de MR et surtout 376 d'AP avec 61 de Magic Pen.
Et les 200 CDR aussi, putain de merde. On va voir ce qu'il y aura comme augmente derrière. Ça peut être très drôle. Lui, il a la spatule par contre. Oh, dommage, je l'avais. Je l'avais, mais je l'ai encore. Je cogne à la plante. T'en as pas marre, toi? Voilà! Je l'ai one shot, littéralement. Coucou! J'ai dit coucou! Qu'est-ce que tu nous fais, Kha'Zix? Coucou! Waouh! Waouh, waouh, waouh! Mes habilités qui appliquent le on hit, je crois que ça va pas être très utile. Armor et magie crisis, pas utile. Gagner 1250 de vie et faire 10% moins de dégâts. Ouais. Bah, c'est ainsi que ça va se terminer. Je vois pas comment ils pourront faire quoi que ce soit contre nous. C'est sur cette finale que je vais réussir ce challenge de faire un top 1 sans aucun item dans mon inventaire. Oh putain, l'attaque speed de zinzin. Reviens, Kha'Zix, je t'attends. Et il peut quand même réa son pote. Ah, ils y tiennent, hein, ils y tiennent. Franchement, c'est mignon. J'aurais même tendance à les laisser gagner. C'est quoi? Vas-y, réanime ton pote, j'ai juste envie de m'amuser. Avec vous deux. Le problème, c'est que même si je veux me laisser perdre, je pense pas que je perds. Je vais juste rester à côté de lui. Et c'est la victoire. Avec Zach. Sans aucun item. Le top 1. Ça a été fait un peu plus vite que prévu. Et comme je l'ai dit, ouais, ça a été fait à 4980 points d'arène. En Gladiator. C'est pas fait avec un nouveau compte tout neuf. C'est stylé.